Bonjour à tous, il est 17h03, je vous propose de commencer le webinaire. Donc, je me présente, Julien Balajas, du Centre technique de l'Olivier. Je suis le responsable du pôle agronomie à France Olive, qui est l'interprofession oléicole française. C'est moi qui vais animer ce webinaire en collaboration avec ma collègue Hélène Lasserre, directrice du conservatoire du pôle conservation et recherche. Bonjour Hélène, nous Bonjour à sommes tous. ravis. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire sur la technique de production. J'espère qu'on aura l'occasion de vous proposer d'autres webinaires au cours de la saison. Pour ce premier sujet, nous allons parler taille, parce que d'abord, c'est un sujet d'actualité et d'autre part, c'est le premier facteur de productivité des vergers. Pour parler de ce sujet, nous avons demandé à Daniel Pérez-Mohedano, ingénieur agronome et spécialiste de la taille à l'IFAPA, de nous présenter les pratiques qui sont réalisées en Espagne sur la taille. Nous le remercions de partager son expérience sur ce sujet et en plus de le faire en français. Juste pour vous le présenter et présenter son organisme, l'IFAPA est un institut de recherche et d'expérimentation d'Andalousie. C'est un peu le pendant de l'INRA et du CTIFL en même temps. Il est spécialiste de la taille. Il est ingénieur agronome. Il a également fait un bout de son cursus en France à l'ISARA. Et nous sommes ravis de l'accueillir. Donc, sa présentation, elle devrait durer approximativement 1 heure. Après, nous avons envisagé à peu près une demi-heure de questions. Alors, pour poser des questions, vous disposez d'un outil que vous trouvez en bas de page. Et c'est Hélène et moi qui lui poserons les questions que vous nous avez écrit sur cet outil et il essaiera d'y répondre comme il peut. Voilà, ça devrait durer 1 heure et vous verrez que nous diffuserons a posteriori sa présentation et également la vidéo sur le site internet de France Olive. Daniel, c'est à toi. Merci beaucoup pour la présentation et je passe à partager l'écran pour vous montrer la présentation que j'ai préparée. Voilà. Le thème, c'était, comme Julie l'a bien dit, la taille de l'olivier. Et moi, j'ai préparé ma présentation en façon de comparaison dans tous les moments entre la taille qu'on fait en Espagne sur l'olivier en intensif et la taille qu'on fait sur les oliviers en haie. Ces deux modèles de plantation d'olivier, c'est les deux modèles les plus modernes et les plus rentables qu'il y a maintenant en Espagne sur l'olivier. Et il y en a des. Ce qu'on entend pour olivier intensif, c'est les oliviers en pied, en cette tronc, avec des distances des roues principales de 7-8 mètres et distance entre les olives depuis 4, 6, 7 ou 8 mètres. C'est-à-dire entre 200 et 400 oliviers par hectare. Des oliviers en haie, c'est en fait c'est des oliviers beaucoup plus près. Il y a des roues principales entre 400 mètres et des distances entre oliviers autour de 2 mètres. Donc, ils sont bien différents les uns les autres. Et pour commencer, la première chose importante, c'est définir quels sont les objectifs principaux de la taille. Un premier objectif clair, c'est évidemment augmenter la production. On fait la taille pour qu'un produit, le levier produit plus et le produise d'une façon non taillée. D'accord? Et le deuxième objectif, très important aussi, c'est adapter la forme de l'olivier, la forme qu'on va lui donner par la taille, adaptée au système de récolte. C'est juste pour ça que je vais traiter d'une façon différente la taille de l'olivier intensif de la taille de l'olivier en haie. Pourquoi? Parce que les systèmes de récolte sont complètement différents. Le système de récolte plus rentable et plus recommandé en général pour les oliviers en intensif, c'est les vibrateurs du tronc. Du tronc, d'accord? Donc, on va orienter la forme de l'olivier au vibrateur du tronc. Et c'est complètement différent à ce système de récolte des oliviers en haie. Parce que les oliviers en haie, c'est fait récolter pour une machine intégrale de récolte qui fait secouer la corogne. Donc, c'est complètement différent
à la partie de à l'autre qui est par mutation. Donc, c'est pour ça qu'on va être et on va faire les différences entre une taille complètement différente à l'autre. Et la différence, je répète, c'est parce que le système d'école, c'est très différent. Et c'est bien commencer par voir quelle est la tendance naturelle de croissance de l'olive. Là, on voit dans ce dessin, dans la partie supérieure, on voit comment c'est un olivier qu'on laisse sauvage, on le laisse tout seul sans rien faire. On peut voir tout de suite que l'olivier, en fait, ce n'est pas un arbre. L'olivier, c'était un arbuste en bois. Et c'est nous qui le font avec la taille, c'est nous qui le transformons dans un arbre. Si vous voyez les dessins de la partie supérieure, on les laisse grandir d'une façon naturelle, ils commencent, ils passent des années, ils finissent par éviter que le soleil rentre, la lumière rentre à l'intérieur. Il fait tout ce qui est possible pour pousser des branches dans tous les sens et son effet de l'ombre à l'intérieur et que la partie végétative avec des feuilles, ça reste juste à l'extérieur. Ça fait comme une grande boule où il y a des feuilles juste à l'extérieur et à l'intérieur, il y a plein de bois. Il fait plein tous les bois possibles pour éviter, son objectif, c'est éviter l'endommagement à l'intérieur. Donc, on aura une situation comme celle qu'on voit à gauche, la partie supérieure, à droite, la partie supérieure. Nous, avec la taille, on fait ce qui est le dessin qui est en bas. On construit un tronc qui nous sert, un tronc de 1 mètre, 1 mètre 20, qui nous sert pour pouvoir faire la vibration de tronc, comme j'ai dit tout à l'heure. Et aussi, ce qu'on fait, c'est retirer toutes les branches, les excès des branches qu'il est fait pour laisser rentrer le soleil à l'intérieur. Donc, on fait productif. Pas seulement la partie extérieure, comme il le faisait de façon naturelle, sinon aussi certaines parts de la couronne à l'intérieur. Donc, on fait maximum la partie productive. D'accord? Dans les soliviers en haie, la situation, ça change un peu. Déjà parce qu'on met les soliviers dans un disant très près les uns des autres, autour de 1,5 m, 2 m entre les soliviers, donc on perd déjà d'abord la individualité des arbres. Avant, on parlait d'olivier par individualité. Ici, on a déjà un haie formé. Qu'est-ce qu'il arrive dans cette haie? D'une façon naturelle, si on ne fait rien là, et ben, les branches, ils cherchent la lumière, évidemment. Et comme ils sont tout près, la lumière, c'est dans la partie supérieure. Donc, on voit déjà dans les oliviers qu'il y a une très grosse tendance à monter, aller dans le plus haut possible. Et si on le voit du côté frontal, on voit aussi qu'il essaye dans les côtés, dans la roue plus grande de la haie, ben, il essaye de grandir de façon latérale. Mais surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'il essaye de monter le plus haut possible. Nous, avec la taille, il faut qu'on fasse la conversion artificielle à des sentiers dans la partie à droite. Il faut d'abord réduire les dimensions parce que la machine qui va faire la récolte, il envole l'olivier en entier pour faire pour faire tomber les olives. En faisant, c'est un sacoué. D'abord, il faut réduire les dimensions beaucoup. Et aussi, comme on a dit tout à l'heure, les excès des branches qu'il va faire pour éviter que la lumière rentre dedans. Eh bien, on va retirer les branches qui sont de trop pour que la lumière rentre et on a une partie productive, pas seulement dans les petites parties supérieures, sinon dans toutes les parties. Si on voit la photo que j'ai mis là, c'est une photo à l'intérieur de la machine au moment de faire la récolte. On voit qu'il y a des bâtons qui sont très exigeants au niveau des branches qu'il va avoir à l'intérieur de celle-là. Et il exige cette machine la flexibilité des branches. Parce que si on a à l'intérieur des branches assez rigides qui sortent un peu de la partie centrale de l'olivier, on arrive à être cassé. Donc, les doubles exigences de cette machine pour cet olivier qu'on va récolter avec cela, c'est réduction des dimensions d'abord pour que la machine puisse passer. On a vu des situations dans des champs, dès qu'il y a eu des plantation où il y a des années, la machine a
carrément, il n'a pas récolté. Il n'a pas passé parce qu'il n'y avait pas de place pour passer. Donc, il faut travailler à ça, à réduire les volumes et avoir le maximum de flexibilité possible, les branches qui vont en supérieur et la partie extérieure, pour que la machine ne casse pas la plupart des branches. D'accord? Pour continuer, il faut s'arrêter un moment dans les deux principes fondamentaux de la taille. Le premier principe fondamental de la taille, c'est le rapport feuille-bois qui doit être toujours le plus élevé possible. C'est-à-dire que on doit voir toujours avec la taille, on doit obtenir les maximum quantités de feuilles avec les minimum de bois possible. Les bois, juste la nécessaire pour entrer les branches principales et certaines branches pour supporter tout le reste de la partie productive. On doit limiter au maximum les bois, on doit éviter surtout avoir des bois en excès. Parce que le bois est un grand consommateur, de l'eau, des éléments nutritifs, etc. Donc, éviter ce grand consommateur avec ces bois, parce que la consommation soit dirigée à la partie productive. Le deuxième principe fondamental de la taille, c'est le rapport équilibre feuille-racine. L'olivier, il a un équilibre, il a un être équilibré. Niveau feuilles et racines. Nous, avec la taille, on fait ce déséquilibre, on provoque un déséquilibre. Et évidemment, l'olivier, il essaye de rééquilibrer le déséquilibre qu'on fait avec la taille. Donc, si on fait un gros déséquilibre avec une taille sévère, l'olivier, il est obligé à s'équilibrer d'une façon rapide. Et normalement, quand il s'essaie d'équilibrer dans une façon rapide, c'est d'une façon qui ne convient pas à nous. Il le fait d'une façon, on va dire, violente et qui ne s'intéresse pas. Par exemple, il commence à faire beaucoup de roulements. On l'appelle des roulements par terre, juste au bout à l'endroit où il sort les troncs. Ça, on appelle en Espagne les varetas. Varetas, c'est des roulements qui sortent très fort dans la partie du sol. Normalement, quand les troncs sont bio, on a déséquilibré beaucoup avec une taille très très sévère. Et aussi, il s'équilibre aussi avec des gourmands dans la couronne, dans la partie supérieure, ou des réactions très vigoureuses qui normalement ne nous intéressent pas parce qu'ils ne sont pas productifs. Si cette situation, on l'a fait dans les oliviers en haie, le problème, c'est ça se multiplie beaucoup plus parce qu'on vient de dire tout à l'heure que les oliviers en haie, on essaie toujours de contrôler les volumes et les vigueurs. Alors, si on essaie de contrôler la vigueur et on fait des déséquilibres graves, l'olivier, il essaie de s'équilibrer avec des réactions vigoureuses, donc le problème s'est rapidement présenté. Avec cette idée bien claire, et tout le monde est déjà plus ou moins d'accord à accorder que les oliviers en haie, il faut les tailler tous les ans. Pour essayer que les tailles qu'on fait soient les plus équilibrées possibles tous les ans, il faut retirer les branches nécessaires, qu'on verra après tout à l'heure, pour éviter avoir des années de non taillés et après être obligé à tailler d'une façon plus sévère et éviter provoquer ce déséquilibre. Donc déjà, on peut concréter que c'est clair que les solidaires en haie, il faut les tailler tous les ans. On va commencer par voir comment elle doit être la formation des solidaires en intensif, comment on forme les solidaires en intensif. Et au début, c'est pas compliqué. Parce qu'une chose qui est importante, c'est juste au moment de la plantation, mettre un tuteur à côté de la plante et faire attacher le tuteur à la plante. On fait des attaches, deux ou trois. Mais ce qui est important, c'est que les attaches supérieures, on les situe autour d'un 1 m 20. Hein? Et cette attache supérieure, qu'on essaie que tous les oliviers de notre plantation soient dans 1 m 20, cette attache, soit l'attache de référence. Parce que à partir de ce moment-là, on doit savoir que toutes les petites branches qui vont sortir de cette attache supérieure jusqu'au sol, il doit être retiré, il doit être éliminé le plus vite possible. Normalement, dans les premières années, il va y avoir plus de petites branches qui vont sortir, un peu moins après, et comme ça, petit, moins de moins. Et aussi, de la partie de l'attache supérieure au plus haut, ce qu'on appelle la corogne, et ben, pendant 2 ou 3 ans, ça dépend de la vitesse
de croissance de cet olivier. La vitesse, ça va dépendre aussi des moyens productifs. Si un bon moyen productif avec de l'irrigation, avec un bon engrais, etc., et avec une bonne profondeur de sol, il va être plus rapide. Et s'il y a moins de. Ici, non, ici, il n'y a pas d'irrigation, et le sol n'est pas très bon, etc., ça sera plus lent, évidemment. Entre 200 et 300, on ne touche pas tout ce qui est dans la partie supérieure de cette attaque et on laisse former une boule le plus naturelle possible. D'accord? On voit l'image, la deuxième photo. Déjà dans la deuxième année, les troncs qui commencent à être libres de type de branches dans la partie inférieure de l'année 20, et la boule commence à se former. Au bout de la troisième année, on a obtenu un développement maximal en principe de la couronne, du tronc et des racines. Parce qu'on n'a rien touché, on a juste touché les branches qui sautaient sur le tronc. Et à partir de là, deuxième, troisième année, ça dépend de la vitesse, et ben, on commence à tailler, à toucher les branches qui sont dans la couronne. De quelle façon? Là où il y a une situation, un exemple de situation, à partir, je répète, des troisième année surtout, on commence à retirer petit à petit certaines branches qu'on voit qui commencent à collapser l'intérieur de la couronne et à éviter que la lumière rentre. Donc, on facilite que la lumière rentre à l'intérieur en retirant des branches petit à petit. De toutes les branches qui ouvrent, qui l'olivier d'une façon naturelle, il nous offre, on va commencer à, de cette façon de retirer celles qui sont un peu en trop, à favoriser celles qu'on voit déjà qui sont les candidats pour être les branches principales, celles qui sont des inclinations de 40-60 degrés. Qui petit à petit, on les retire celles qui sont à côté, et si vous voyez la continuation de tous les dessins que j'ai mis là, avec des petites coupes de petites tailles chaque année, on finit par favoriser et l'olivier il commence, il forme la structure avec ce tronc qu'on avait déjà fait depuis le début et les branches principales. La façon de faire, c'est retirer petit à petit, je répète, petit à petit. On retire les branches qui sont en trop et qui évitent de bien fortaliser, d'être fort et former les branches principales. Dans la situation des oliviers, on est la formation. Là, c'est différent. Et si de l'autre partie de l'olivier tessier, on a dit cette méthode, que c'est une méthode qui presque tout le monde utilise, ici, on trouve déjà le premier problème, c'est qu'il y a deux systèmes de formation actuellement. Ce système E, c'est plus récent. Ici en Espagne, c'est commencé à planter des oliviers comme ça dans les années 90. Les sols ont commencé dans les années 70, donc il y a beaucoup plus de temps. Et ce système-là, il y en a des supporters de faire d'une façon, il y en a des autres qui préfèrent de faire d'une autre façon. Je vais expliquer les deux façons actuellement qui s'utilisent pour former les oliviers en E. L'objectif, c'est former un gain non structuré, ce qu'on appelle comme ça. Et le premier, c'est la photo que vous avez à gauche, c'est former un olivier en axe. Là, c'est on met un tuteur long de 2 mètres, 2,5 mètres de longueur, et la guide principale de la plante, on l'attache petit à petit à chaque fois qu'elle grandit, jusqu'à la hauteur de 2 mètres, 2 mètres et demi. Donc, on force la verticalité de la guide principale et on laisse toutes les branches des côtés qui grandissent comme elles peuvent. Au début, ce système, c'est le système qui s'utilisait un peu partout dans tous les oliviers. Et on retirait s'il y avait une branche qui prenait certaines verticalités et qui faisait la concurrence à la centrale qu'on dirigeait verticalement. Ça, les gens qui faisaient ça, ils ont vu que c'était une erreur, donc ils ont corrigé l'erreur. Et dans les dernières années, les gens qui utilisent encore les systèmes en axe, il permet, s'il y en a une autre branche qui prend certaines verticalités, il la laisse comme ça. Donc, ils finissent par avoir un olivier avec plusieurs axes. L'axe central qu'on dirige verticalement et les autres qui l'accompagnent. Donc, on appelle ça un système multi-âge, façon de parler. L'autre système, il a un seul coïncident juste avec les premiers que je viens d'expliquer. C'est la hauteur des troncs.
Et c'est entre 50 et 60 cm. C'est exactement la moitié de celle de solide intensif qu'on avait dit entre 1 mètre et 1 mètre 20. La raison principale, c'est la machine. C'est la machine qui décide. Comme la machine, on essaie toujours d'adapter à la machine. La machine, elle a besoin, la machine de récolte, elle a besoin de qu'il y a 50 cm sans branche. Donc, les deux systèmes, ils font ça. 50-60 cm sans branche pour laisser passer la machine. Ce deuxième système, je l'appelle système de formation libre. Parce que dans ces cas-là, on ne met pas un tuteur long comme l'autre. On met un tuteur de 80-90 cm. On fait deux ou trois tâches et on laisse les croisements libres. Un peu comme on avait fait les 3 premières années dans les soliviers intensifs. À partir de là, il y a une grosse variété, une grande variété des options. Il y a des gens, par exemple, qui font des petits ravaissements chaque année. Il y a des gens qui font un gros ravaissement en deuxième année et après ils ne font plus. Donc à partir de là, comme je dis, ces systèmes de végétation, il y a des options faire des ravaissements plus sévères ou moins sévères, ou plus fréquents et moins fréquents. Hein? L'objectif de faire ces ravaissements, c'est un peu le contraire dans notre système. Dans notre système, on forçait la verticalité, l'arrivée à l'auto maximum. Et dans ces systèmes, ce qu'ils veulent avec ces ravaissements, c'est couper. Et arrêter d'une façon comment il peut la croisement en hauteur et aussi faire multiplier les branches parce qu'à chaque fois qu'on fait un ravissement, ça se multiplie les branches. Ça, on le verra mieux dans la suivante diapositive. Là, j'ai fait et j'ai essayé de dessiner comment ça peut être la structure intérieure de chaque système. À gauche, j'ai dessiné, comme j'ai pu, les systèmes multi-axes. Donc, on voit l'axe central où est concentré les bois parce qu'on a forcé verticalement ce système. Et là, j'ai dessiné plusieurs axes qui ira plus ou moins, ça dépend de chaque olivier, qui font petite concurrence à celles qu'on a dirigées en façon verticale. Mais de toute façon, en général, la caractéristique principale de ce système, c'est que les bois sont concentrés dans l'axe central. À droite, on a la situation des croisements libres avec des coupes de ravissement, comme je viens d'expliquer. Si on fait un seul ravissement, mais sévère, disons sévère, qu'on réduit la hauteur autour de 50-60 cm, c'est la photo que vous avez là à gauche. Ça, c'est une photo d'un olivier qui a fait des ravissements de 50-60 cm. Et la photo, elle était faite juste un an après. On voit la réaction qu'il a eue. Il y a eu, comme vous savez, comme vous voyez là, il y a beaucoup de branches verticales et très végétatives qui sont répandues. Comme il a eu une taille sévère, vous vous rappelez l'équilibre entre feuilles et racines. L'olivier, il a essayé de rééquilibrer comme il fait toujours. Il a fait de façon sévère et pas intéressant. Il a fait beaucoup de branches verticales, végétatives, évidemment pas productives, et comme j'ai représenté là dans cet dessin. Et ça fait partie d'un essai qu'on a ici à l'IFAPA. Évidemment, la première production de cet olivier qu'on a eu, elle était depuis la ligne rouge en bas. Là, plus haut, il n'a pas eu de production. À côté, j'ai dessiné les réactions, comment être les structures et les réactions quand on fait des ravaissements, mais des plus légères, moins sévères et plus fréquentes. Il y aura aussi la multiplication des branches, là. Mais la réaction moins vigoureuse, moins verticale, parce que les ravaissements étaient moins sévères. Avec cette histoire des ravaissements, j'ai trouvé dans la bibliographie un livre très ancien, on connaît tous, qu'on travaille à la thèse d'Olivier, de Don Miguel Orteranito. C'est une très bonne référence des thèses d'Olivier, ce livre, même si c'est l'ancien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en actualité maintenant. Et ce monsieur, il disait dans ce livre très ancien sur les coupes de ravaissement. Il ne parlait pas de solide bien parce qu'il n'y avait pas dans cette époque, mais il parlait sur qu'est-ce que c'était l'effet sur les coupes de ravaissement. Il disait, lui, que c'est, il laissait la relation feuille-bois, déjà ce qui n'est pas intéressant, parce que comme on coupe la partie fin, la partie plus végétale, on laisse des bois
les bouts de la branche qui a plus de bois. Donc, ça baisse la réaction des bois. On monte les blindages, on le voit, ça s'est reproduit plus de blindages. Déjà, on a mentionné tout au début que l'olivier, de façon générale, il fait beaucoup de blindages plus qu'il faut parce que pour son obsession de cacher le soleil à l'intérieur, si on fait le ravissement, on multiplie encore plus cette blindage, spécialement dans les branches proches à la coupe, comme on voit dans les dessins. Ce qui assombrit les branches proches et les morceaux plus bas de la branche coupée, comme on voit dans les dessins. Et elle stimule aussi la végétation, retardant la fructification, comme on a vu dans l'essai que j'ai montré dans le papa, qui est dans la photo. Donc, cet effet de ravissement qu'on voit maintenant dans la société actuelle, c'est déjà décrit il y a beaucoup d'années pour ce monsieur-là, qui, comme je dis, c'est une référence sur la taille de l'olivier. Là, au milieu, j'ai mis comment ça peut être la structure si on fait rien, si on fait ni multi-axe. On économise d'avoir un gros tuteur autour et attaché à chaque fois. Et on ne fait pas non plus les ravissements, ni sévères, ni pas sévères et fréquents. Là, j'ai dessiné un peu comment il peut être la structure normale. Et on voit plus ou moins qu'on pourrait, de cette façon, simplement, sans rien faire, d'éviter les inconvénients des uns et des autres. Donc là, actuellement, toutes ces choses sont en train de s'étudier dans les essais. Il faut aussi dire que le système plus adéquat, ça peut être dépendre de la variété, parce que là, les variétés qu'on utilise dans les oliviers, évidemment, ne sont pas les mêmes variétés qu'on utilise dans les oliviers intensifs ou les oliviers traditionnels. On cherche toujours des variétés qui sont pas beaucoup plus vigoureuses, des variétés qui sont capables d'avoir beaucoup de points de fructification sans besoin de beaucoup de bord de la branche, etc. Donc, il y a des variétés, il y a un gros projet de recherche des variétés plus adaptées possibles aux oliviers anglais. Et là, si on fait des essais dans les différentes variétés qui sortent ou qui s'utilisent maintenant dans les oliviers anglais, peut-être que les résultats ils vont nous dire que la formation, ça peut être meilleur d'un côté ou de l'autre. Donc, poisson d'if avec des ravissements, poisson d'if en principe, dans ce modèle que je vous présente avec les dessins là, les inconvénients des uns et des autres, ça peut être éliminé par la poisson d'if carrément. On passe déjà à la taille des oliviers en adulte. On commence aussi par les oliviers en intensif. L'objectif principal de la taille d'olivier adulte en intensif, c'est maintenir les volumes proches à l'optimum et avoir la plus haute relation feuille-bois comme premier principe fondamental de la taille. Là, pour être le plus clair possible, j'ai fait le suivant. Je vais expliquer les branches qu'il faut couper et laisser dans chaque partie de la corogne. On va commencer par expliquer qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur de la corogne? Qu'est-ce qu'il faut faire à la partie supérieure? Après, qu'est-ce qu'il faut faire à la partie extérieure? Et après, à la partie inférieure. Pour qu'il soit le plus clair possible, que vous compreniez la façon plus claire possible comment on fait ou comment on recommande de faire en Espagne la taille des oliviers adultes en intensif. On commence par la partie intérieure. Il faut tailler, il faut avoir clair qu'il faut tailler juste les goudements et les branches vigoureuses. C'est-à-dire que tout ce qui soit pas, qui soit à l'intérieur et qui ne soit pas des goudements ni des branches vigoureuses, il faut les laisser. On voit la photo à gauche et on voit à l'intérieur d'un olivier intensif adulte et on voit qu'il n'y a pas ni des goudements ni des branches très vigoureuses. Ce qu'il faut faire. Les photos à droite, on voit une photo qui a un gros erreur, qui a retiré les gourmands, les blancs vigoureux et tout le reste aussi. Quel est le problème de laisser l'intérieur vide comme cette photo de droite? Le premier problème qui peut arriver, c'est que le soleil en été, il peut brûler les branches principales. On a laissé l'intérieur vide à la rentrée du soleil. S'il y en a une branche un peu inclinée, une branche principale, comme on voit dans la photo inclinée, qui a d'une façon perpendiculaire le soleil
des mois de juillet août, ça pousse les brunets. Il n'y a pas de branches qui font l'ombre des monts pour les protéger. Donc, premier problème grave. Deuxième problème, le fait d'avoir beaucoup de soleil qui rentre à l'intérieur, on a fait en fait un déséquilibre pour qu'on a fatigué tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Encore une fois, l'olivier, il essaie de s'équilibrer. Et comment il s'équilibre? Comme j'avais dit, d'une façon négative pour nous, en faisant beaucoup de gourmands très verticales et très vigoureuses. Donc, ça va poser des problèmes parce que ça va consommer de la serre qui ne sera pas utilisée par la partie productive. Il y a aussi un inconvénient qui est très évident. Si on fait vider la partie centrale, même si les petites branches qu'on doit laisser, on voit la photo à gauche, les petites branches qu'on laisse dans la partie centrale, là, il y a aussi des olives, il y a des productions. C'est vrai que ce n'est pas les olives ni les plus grosses, ni les plus beaucoup rémunérées, mais ça additionne à le total de production des olives de cette olivier-là. Donc, il y en a, comme on voit, différents inconvénients de laisser toute vie l'intérieur. Hein? Il faut laisser l'intérieur sans gourmand et grandivore, mais à l'intérieur. À la partie supérieure, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut couper? Qu'est-ce qu'il faut laisser à la partie supérieure? On n'est pas très loin de ce qu'on vient de dire à la partie intérieure. Dans la partie supérieure, il faut retirer aussi les gourmands. Ce qu'on appelle en Espagne, c'est les gallos. Les gallos, c'est les gourmands qui sont dans la partie supérieure, qui sont très habituels, parce que la partie supérieure, c'est où il y a plus de soleil, et c'est normal, d'une façon naturelle, que l'olivier, il fait des gourmands dans ces parties-là, qui se voient normalement très facilement, parce que ils font la partie la plus haute de l'olivier. Normalement, ce qui est l'idéal, c'est que la partie la plus haute soit marquée par la fin de la branche principale, mais des fois, on trouve qu'il y en a des très verticales qui font la partie plus haute. C'est celle qu'il faut retirer, d'accord? Qui sont marquées en rouge dans le dessin. Si on voit la photo à droite, on voit un effet d'un erreur qui n'était pas fait l'année d'avant, où ce n'était pas retiré un gallo, un gourmand qui est dans la partie supérieure. Qu'est-ce qui est arrivé là? Eh bien, ce gourmand-là qui n'était pas retiré, il a grandi, il s'est développé là-bas. Et qu'est-ce qui s'était passé avec la branche principale? Il avait une ligne de croissance de 40, de 60 degrés, hein? Et à partir de ces gourmands, elle a perdu la ligne de croissance. Elle a perdu une grosse quantité de serre qui est partie verticalement dans les gourmands qu'on n'avait pas retiré. Et lui, le gourmand, il s'est développé, il a fait une branche de certaines branches productives déjà dans une partie très très haute. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On laisse déjà ce gourmand qui s'est développé, on les retire. La recommandation, c'est toujours retirer ces gourmands, même s'ils sont déjà trop tard, comme celui de la photo. Pourquoi? Parce que pour deux raisons principales. La première raison, c'est que même s'il peut y avoir des productions, il y a des gens qui disent, bon, il y a des productions, mais très, très haut, mais il y en a des productions, il faut profiter déjà qui donnent des productions. Le problème, c'est que c'est une production qui est située très très haut, 6-7 mètres, et ça coûte cher. Parce que pour produire à cette hauteur-là, eh ben, il faut avoir des bois et circulation de sel jusqu'à cette distance. Donc, ça coûte cher au niveau de nutrition et quantité d'eau à apporter pour produire ça. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient qu'il faut retirer ça, c'est parce que si on permet des grosses hauteurs de solidier comme ça, ça fait sombre aux oliviers de la roue d'à côté. Vous vous rappelez que ça, c'est des roues de 6-7 mètres, de 7-8 mètres, hein, distance concrète. Et si on permet des très hauteurs, hauteurs très, très grandes dans certains oliviers, ça fait des inconvénients parce que ça fait sombre les courants des oliviers d'à côté. Donc, on ne peut pas permettre qu'il y en ait des oliviers plus hauts qu'il faut. Parce que ça conditionne la production d'oliviers et de poissons. Maintenant, il y a la partie extérieure. Donc, on a parlé qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut couper à l'intérieur, à la partie supérieure, et maintenant, tout ce qui est la partie extérieure. Il y a les principales branches productives, la partie plus grosse et plus productive de l'olivier. Là, les instructions sont moins claires, plus subjectives que tout à l'heure. Pas tout à l'heure, c'était clair, c'était les gourmands, les branches vigoureuses, etc. Ici, ce qu'on dit, c'est qu'il faut retirer, il faut éclairer l'olivier. Ce qu'on appelle en Espagne, c'est aclareo o entresaca, c'est-à-dire de retirer
toutes ces branches qu'on avait expliquées tout au début qui font le levier pour sa obsession d'éviter que le soleil rentre à l'intérieur de la couronne. Donc, c'est là où l'expérience des tailleurs, qu'il faut savoir comment retirer juste les branches qui sont en trop et laisser un peu d'éclairer dès qu'il rentre un peu le soleil à l'intérieur pour que la production soit aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur, soit bien répartie. Là, il y a des méthodes pour savoir si l'olivier, on a éclairé des trous ou on a éclairé des passés. Il y a des différentes méthodes pour pouvoir vérifier si on a fait bien ça ou non. Une des méthodes qu'on recommande, c'est une fois qu'on a fait la taille, pour voir si on a fait des trous ou pas assez, c'est imaginer à quelqu'un à l'autre côté de l'olivier qu'on a bien détaillé. On tourne l'olivier qu'on a détaillé, on doit être capable de voir qu'il y a une personne qui tourne comme nous autour de l'olivier, mais on n'est pas capable de reconnaître la personne. Si on reconnaît trop la personne, on voit ce qui c'était lui, c'est parce que normalement, on a trop détaillé. Il y en a des autres qui préfèrent ce système. Il dit, moi, quand il y a du soleil, il dit, quand j'ai fini de détailler mon olivier, je regarde l'ombre de l'olivier, l'ombre de la couronne. Et si je vois dans l'ombre de la couronne qu'il y a certains points de lumière qui est par terre, c'est parce que l'olivier, il est bien détaillé. Si je vois que l'ombre, il est très sombre, il n'y a pas de point de lumière, c'est parce que peut-être qu'il y en a trop des branches qui se font en concurrence et qu'il faut qu'on mette les TG parce qu'il faut un peu répartir la. D'accord? Il y a un autre qui dit que son système, c'est qu'il doit être capable de voir par rapport à cette couronne l'olivier qui est de l'autre côté. Donc, chacun il a sa méthode, mais l'idée générale, c'est éclairer et répartir une répartition des branches parce que pour que la lumière pour entrer et l'olivier soit pas vidé des feuilles par manque de lumière à l'intérieur. Dans la partie inférieure de l'olivier adulte en intensif, ce qu'il faut faire, c'est il faut rehausser l'olivier. Donc, tout c'est assez facile parce que toutes les branches qui soient moins d'un demi-mètre, qui sont plus près du sol d'un demi-mètre, il faut les tailler. Pourquoi? Parce que pour deux raisons normalement. Parce que si on décide de passer la barre d'herbicide pour éliminer les herbicides qui sont à côté de l'olivier, là normalement la barre d'herbicide ça passe à demi-mètre. Donc comme ça on peut laisser passer la barre d'herbicide facilement. Et l'autre façon aussi, qu'on essaye de rehausser l'olivier, c'est plus d'un demi-mètre, c'est pour possibilité au monsieur qui a les vibrateurs de tronc à pouvoir regarder bien les troncs et bien aborder pour la récolte. C'est la raison principale pour ça. Dans les cas qu'on utilise un vibrateur de tronc avec un parapluie, je ne sais pas si vous les connaissez ou non, mais c'est une possibilité d'avoir un parapluie qui, quand on fait vibrer les olives, fait tomber les olives, il ramène directement les olives dans sa. Voilà. Dans ces cas-là, cette parapluie qui s'offre autour des vibrateurs de tronc, il a besoin de ne pas toucher les branches inférieures. Donc, dans ces cas-là, il faut creuser un peu plus l'olivier que normalement. Donc, ce sont des petits conseils détails, relationnés toujours, comme j'ai dit au deuxième objectif, il a parlé de tout au début, adaptés à la récolte. On se rappelle que la taille et la récolte, ils sont très associés parce qu'il faut adapter. Et on va voir maintenant les tailles des oliviers adultes en haie. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de différences, on l'a déjà vu dans la formation. Et on va voir aussi les différences et qu'est-ce qu'il faut faire dans les oliviers en haie quand ils sont adultes. L'objectif principal, ou l'idée, c'est maintenir les haies flexibles et avec une dimension dans les limites qui exigent la machine de récolte. Encore, la machine décide les choses. Et cet objectif, on peut le faire d'une façon manuelle, avec des tronçonneuses, avec des sécateurs électriques, mécaniques, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec cet instrument? Et bien, l'idée générale, c'est, vous voyez à la photo, la ligne de gauche pas taillée, et la ligne de droite au central déjà taillée.
Il faut retirer avec cet instrument toutes les branches rigides qui sont à la partie supérieure et à la partie inférieure, qui peut difficulter la récolte mécanique. D'accord? Donc, petit à petit, tous les sons, comme je l'ai dit tout à l'heure, retirer toutes les branches qui se font bois, qui se font rigides, et de cette façon, on laisse seulement les branches les plus flexibles, aussi dans la partie supérieure et dans la partie extérieure. Il y a un détail qu'il faut commenter. C'est une bonne idée, et les gens le font de plus en plus, de marquer chaque ligne, parce que chaque année, la machine passe dans la même sens. La machine de récolte passe dans la même sens. Pourquoi? Parce que s'il y en a des branches qui vont à l'extérieur et qui sont pas complètement perpendiculaires à la ligne de la haie, qui sont un peu inclinées et qui sont entre flexibles et rigides, et on doute, on décide si la couper ou non, c'est intéressant de savoir toujours les sons de la machine de récolte parce que si cette branche qui est un peu inclinée, qui n'est pas carrément perpendiculaire à la ligne de la haie, si elle est dans le sens, elle est inclinée dans le sens de passage de la machine, eh ben, on peut la laisser un an de plus et on la coupe l'année d'après. Mais si cette branche qui est moitié rigide, moitié flexible, on doute si la couper ou non, il est en contre-direction à l'essence de la machine de récolte, sans doute on doit la couper parce qu'elle va être cassée beaucoup plus haut que si elle est dirigée dans l'autre côté. D'accord? C'est certains détails qu'on voit de plus en plus et qu'il faut toujours être bien clair si quelle est la direction que va se faire chaque année la machine pour décider ce type de choses. Ça, c'est l'option manuelle. Il y a une autre option qu'on appelle l'option semi-mécanique. Donc, on contrôle les dimensions de la haie avec des disques, avec des machines de taille mécanisées, avec des disques. Et ces disques, on peut les utiliser dans la partie supérieure, on appelle ça les toppings, ou dans la partie latérale, comme vous voyez dans la photo à gauche. La partie latérale, en anglais, ça se dit edging. Si quelqu'un dans la biographie, tout ça, s'appelle edging. Donc, on appelle mécanique, semi-mécanique parce qu'il y a une chose qu'on avoue clairement pour les gens qui utilisent cette machine, c'est que et en contrôlant cette dimension avec ces machines-là, c'est une chose vrai que c'est mécanique, c'est rapide, ça coûte beaucoup moins cher que de faire d'une façon manuelle. Mais il y a un gros problème, c'est qu'on ne retire pas les bois à l'intérieur, les bois qui s'accumulent chaque année à l'intérieur. Donc, c'est nécessaire, presque chaque année, qu'on fait la coupe avec les disques, les reprises manuelles, avec des tronçonneuses ou des sécateurs pneumatiques ou électriques. Là, vous voyez la photo à droite, où il y a les bois qui sont restés après le passage des toppings de la machine de disque. Et ces bois qu'on voit clairement, qu'il n'y a pas de végétation et qu'il n'y a rien, après, il faut la repasser avec pour éviter l'accumulation des bois à l'intérieur avec les tronçonneuses. D'accord? Donc, c'est un système qui mélange un peu les disques et après la reprise manuelle. La troisième option, c'est l'option carrément mécanique. Cette option, c'est l'utilise que les disques, des côtés ben, des toppings, des questions latérales, ce qu'on appelle les dings. Et voilà. Quel est le problème? Le problème, c'est que si on n'utilise pas après les reprises manuelles, les bois s'accumulent à l'intérieur. Et ce type de système, il y en a qui l'utilisent, ils sont en train de s'étudier, comme la plupart des choses ont des données, pour voir si, bon, si comment ça économise l'opération de taille et comment on est sûr de que la bois s'accumule à l'intérieur et que ça peut diminuer les productions à moyen temps. Et ça peut aussi diminuer la duration productive même de la plantation. Et ben, il est en train d'étudier tous ces points. Ça coûte moins, ça produit
quelques années après moi, pas qu'à l'accumulation d'eau, quelle possibilité on a de retirer le bois qui s'allume à l'intérieur du service système mécanique. Il y en a qui proposent faire des tailles mécaniques latérales très très proches à l'axe central pour rénover ou couper beaucoup de bois avec cette intervention. Évidemment, ça se fait, ça rénove le bois, mais après ça repousse avec ses efforts. Contourner toutes ces réactions, toutes ces choses pour voir si cette option c'est passable, c'est rentable et à la fin compter tous les points possibles pour voir si c'est possible de faire ou non. D'accord? C'est un bon système. Normalement, il n'y a pas beaucoup de monde, au moins ici en Andalousie, qui les font. C'est surtout, on essaye, on voit comment la réaction. Pareil, comme j'ai commenté tout à l'heure, il faut voir aussi ce type d'options avec des variétés. Petit à petit, on est en train d'obtenir des variétés très, très adaptées au système. Si on arrive à avoir une variété qui supporte ce type de taille mécanique sans rénovation constante des bois à l'intérieur, eh ben, ça peut être un système qui, au niveau rentabilité, ça peut être convenu. Donc, c'est une chose, comme je l'ai dit, qu'ils sont en train d'étudier. Il faut toujours avoir en tête parce que, en fait, en général, l'agriculture, ça doit évoluer à réduire les coûts et mécaniser tout ce qui est possible. Donc, il ne faut pas décarter, même si au début c'est difficile à comprendre comment ça peut durer ce type de plantation, mais il ne faut toujours pas décarter et éliminer du sol au début. Il faut étudier, étudier, étudier. Maintenant, je vous présente une étude qu'on fait actuellement à l'IFAPA avec des collaborateurs, des agriculteurs qui nous donnent des données à chaque fois pour nous contrôler les coûts détail dans ce cas et tout ça. Et je vous présente maintenant toutes les données pour calculer au plus ou moins quel est le coût de la taille dans les souliers intensifs. Là, il y en a plusieurs agriculteurs qui m'ont donné des données fiables et qui ont pu utiliser comme quelque chose d'intéressant. La raison, il y a une moyenne de 11 années, déjà moyenne, dans plusieurs agriculteurs. Il y en a qui me donnent 12, il y en a qui me donnent seulement en moyenne d'une année, mais qui a 66 hectares, donc le numéro qui me doit être, peut être quand même valable. En général, si vous voyez là, c'est normalement ces variétés arbequina piquoise, c'est les variétés les plus connues ici, les plus plantées ici en Andalousie. En général, ils tournent autour des 12-15 heures par hectare et par an des coûts de taille. On détermine ça des heures des personnes de taille, heures par hectare et par an. Et c'était autour des 12, 13, 14 qui me font la moyenne de tous les collaborateurs qui me font ça. Ça correspond aussi un peu avec une étude qui a fait à AEMO. AEMO, c'est une association espagnole des municipalités des oliviers. Ça s'appelle comme ça. Et il a fait une grosse étude sur les coûts de la culture d'olivier en général, les coûts de traitement des sols, les coûts de taille, les coûts de récolte, tout ça. Et dans les coûts de taille, et cette année, l'année dernière, ils ont fini et conclu une étude très, très intéressante. Ils ont obtenu aussi que pour les oliviers intensifs, ils sont autour de 15, un peu plus de 15 heures par hectare par an. Donc, ça correspond un peu avec toutes les informations qu'ils me donnent, mes agriculteurs par rapport. Donc, on peut conclure qu'autour de 15, ça peut être un numéro valable de consommation de heures par hectare par an de taille dans les oliviers intensifs. Dans les oliviers ornés, on a moins de données parce qu'il y a moins de collaborateurs, c'est une chose que je dis plus récemment. Mais il y a quand même deux collaborateurs qui me donnent des résultats intéressants. Il y en a, c'est le premier qui est Arbequina, qui a une moyenne de 13 ans, donc c'est pas forcément intéressant, même si c'est seulement 6 hectares. Et il me dit que ça coûte autour de 30 heures par hectare et par an. L'autre, qui est 43 hectares, qui est mélangé de Arbequina et Bossana. Bossana, c'est une autre variété très, très intéressante qui se développe beaucoup, beaucoup ici en Andalousie, dans les oliviers et parce qu'elle est plus petite que l'Arbequina, elle est moins vigoureuse, elle est très, très fruitière
et dans de très très bonnes conditions pour les étudiants. Et ben, dans cette cellule-là, il me dit que c'est autour de 20 heures par hectare et par an de coûts de production. Je compare ça avec les autres domaines qui donnent par exemple Teolivo. Teolivo, c'est une très grosse entreprise qui est ici à Bordeaux, hein, qui travaille, qui a beaucoup de clients et qui fait beaucoup de plantations depuis 20 ans, beaucoup de plantations de solibium. Il a beaucoup, beaucoup d'expérience. Et lui, dans ses numéros, dans ses clients, il a publié qu'il considère que c'est autour de 30 heures par hectare et par an de taille avec ce système manuel. Agromigliora, c'est une très grosse entreprise aussi, c'est un pépinéiste, c'est une entreprise qui aussi a beaucoup de clients et qui font beaucoup les plantations. Et là, il estime beaucoup moins. Il estime que c'est entre 15 et 20 heures par hectare et par an. Et aussi, quand ils font la reprise manuelle, parce qu'il y en a des plantations d'agromigliora qui les font mécaniques et après la reprise manuelle, que je viens de dire tout à l'heure, il dit par exemple que la reprise manuelle, il réduit beaucoup les coûts de ces effets de repasser après le passage du disque. Ça réduit beaucoup la main-d'œuvre. Entre 2 et 3 heures par hectare et par an. Il y en a aussi un donné qui donne la revue Agricultura, il y a 4 ans, qui parlait de que sur les 100% des coûts de main-d'œuvre manuelle, quand c'est la reprise, ça réduit entre 10 à 30%. Ça correspond avec les résultats qui disent mieux, là, plus ou moins. Et aussi, cette étude d'AMO que j'ai bien citée tout à l'heure, il aussi l'a étudié. Sur les conditions de solubilité, il estime que l'écoute des tailles manuelles, c'est autour de 25 heures par hectare et par an. Donc, entre les résultats, entre 30, 20 et 25, ça doit être un peu les numéros finis. Et l'autre, on a ici autour de 15, celui-là, il doit être autour de 25. Entre 30, 25, et ça dépend évidemment des situations, des variétés. La tendance que je vois, c'est que dans l'avenir, quand il y aura de plus en plus de variétés beaucoup plus adaptées à la situation des solubilités, les coûts des main-d'œuvre de taille, ça va se réduire parce qu'il sera des variétés où ils vont avoir moins besoin de taille. Aussi, une chose qu'il faut commenter, c'est qu'en général, les solubilités qui sont plantées en haie, et qui ne sont pas de très bonnes conditions de moyenne productive, qui sont par exemple, qui ne sont pas en irrigation, qui ne sont pas en sol profond, ou qui ne sont pas beaucoup d'apportations nutritives, évidemment, la croissance, ça va être moins. La production aussi, ça va être moins. Mais la façon ou la facilité pour le contrôler au niveau des vigueurs et des dimensions, ça va être aussi plus facile. Ça va réduire aussi les coûts de taille. C'est une chose que aussi faut considérer. Il y a des gens qui demandent, est-ce que c'est possible de solidifier sans irrigation? Oui, c'est possible. Évidemment, ils vont donner moins de production si c'est en irrigation, mais ils vont être plus faciles à contrôler les dimensions et les volumes qui est nécessaire pour qu'ils puissent passer la machine de récolte. On passe à voir maintenant en intensif. Quelle est la taille de renouvellement? On a vu la taille de formation, la taille de olivier adulte et dans les cas des oliviers intensifs, il y a un moment où les branches principales qu'on avait formées tout au début avec la taille de formation, ils vieillissent. Ils vieillissent comment? Ben, ils vieillissent parce que son relation feuille-bois se réduit avec l'âge, avec le manque de lumière et d'espace pour grandir, parce qu'on met les oliviers tout près, etc. Donc, il y a un moment où il faut renouveler les branches. Et pour expliquer ça d'une façon pas très, très compliquée, d'une façon un peu résumée, j'ai aussi mis ce dessin. Et on commence à voir, le premier dessin, c'est un olivier de 3 branches. On voit qu'il vieillit. On coupe une branche. On laisse un petit morceau qu'on appelle en Espagne, ça s'appelle un tocon, qui fait arrêter d'un coup toute la quantité de sève qui était dans cette branche. Ça fait pousser petites branches. Ces petites branches, on les laisse petit à petit. On va réduire petit à petit ces branches jusqu'à ce qu'on laisse finalement la branche la plus vigoureuse et la meilleure pour qu'elle substitue la branche vieillie
vieille qu'on avait retirée tout au long. Une fois que cette branche est renouvelée, on rénove la suivante branche, celle qui était à gauche. Pareil, il y a des petits, on fait couper la circulation de la sève, ça fait pousser des petites branches. Ces petites branches, on les sélectionne petit à petit jusqu'à ce que la deuxième branche elle était déjà renouvelée. Il nous reste une troisième branche vieille, on la coupe. Ça pousse aussi des petites pousses. Et si on continue le dessin, c'était pareil. Il y a un moment où on finit à rénover tout l'olivier avec des nouvelles branches. Les mêmes troncs anciens, que ça ne change pas, mais les branches s'est rénovées. Donc, on recommence un cycle de bonne production avec les branches rénovées de quelques années. Des bonnes productions comme si l'olivier il était formé au début avec des branches avec une bonne relation feuille-bois, etc. Donc, ça c'est un peu pour rester très résumé, ça fait l'état de renouvellement des oliviers intensifs. Qu'est-ce qu'il arrive au olivier on est au niveau de renouvellement? Bah, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de bon de renouveler. Pourquoi? Parce que la taille de maintenance des tailles adultes suppose déjà elle-même un renouvellement parce qu'on avait dit qu'on taillait les branches qui avaient du bois étaient vieilles, donc il n'arrive pas à cette vieille. Parce que si on renouvelait d'une façon constante, en tenant les dimensions et la flexibilité des oliviers, donc on n'arrive pas au moment de renouveler. Ça n'arrive pas à ce moment-là. Bon, pour finir déjà les considérations finales, pour un mode de résumé de tout ce que j'ai parlé, il faut remarquer par exemple là, que la majeure difficulté pour adapter la tendance naturelle des oliviers en haie, pour les exigences de la flexibilité et la réduction des dimensions, la meilleure ennemie pour minimiser cet inconvénient, comme je viens de dire, l'amélioration génétique qui fait sortir de temps en temps des nouvelles variétés par croisement entre les variétés connues qui s'adaptent aux conditions des oliviers en haie par beaucoup de fructification sans avoir beaucoup de distance des branches, etc. Ça peut décliner la balance à faveur de la meilleure, la plus facile utilisation de la taille des oliviers en haie par rapport aux inconvénients qu'il peut avoir les oliviers en intensif. Aussi, la densité taille annuelle, c'était une chose clé, celui-là, pour minimiser les équilibres feuilles-racines. La général, il fait feuille-bois, c'est feuille-pas feuille-bois, c'est feuille-racine, comme bien dit tout à l'heure, il faut l'attirer annuellement. Après la plantation, laisser pousser uniquement l'olivier, sauf les repousses de tronc. Ça, c'est aussi une intensif, comme je viens de dire. On se rappelle, on intensifie 1 mètre à 1 mètre 20 et on est autour de 50-60 mètres parce que c'était les incisions de chaque machine de récolte dans ce cas. Dans chaque cas. Première taille, on intensifie après la troisième année. On commence à former les trois grands principaux de la façon que j'expliquais. Et les premières tailles qu'on fait on est après la première récolte, normalement, les premières tailles qu'il faut faire, c'est cette branche qui commence à rugir vers l'extérieur. Normalement, la première taille, c'est des branches qui vont à l'intérieur plutôt qu'à la partie supérieure parce qu'ils commencent à gêner plus tout au début à la machine, les branches qui vont à l'intérieur. Après, il y aura les branches à la partie supérieure qui gênent, mais ils vont arriver au moins 1 année plus tard. Aussi, une chose qu'il faut attaquer dans cette considération finale, c'est la nécessité d'évaluer la durabilité des systèmes de maintenance des et semi-mécanique et mécanique au niveau de production, coût d'adaptation des favoritains, etc. Comme j'ai dit, c'est en train d'étudier. Il y en a entre des centres comme le nôtre qui essayent des collaborations avec des producteurs pour étudier tout ce type de points. Et il y en a aussi des entreprises privées qui font la recherche lui-même. Entre tous, petit à petit, je crois qu'en certaines années, on aura des résultats intéressants pour bien adapté et bien avoir clair comment il faut tailler et contrôler en général les plantations. Et avec ça, j'ai fini déjà mon exposition. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous voulez, on passe, Hélène, à toutes les questions qui se sont posées
dans cette présentation. Et merci beaucoup. Merci Daniel, vous m'entendez? Oui. Effectivement, il y a eu beaucoup de questions, donc avec Hélène, on va essayer de les résumer, puis on va peut-être le faire en fonction des questions qui ont été posées. Donc au tout départ, il y a eu déjà des questions relatives à la taille. D'abord, parce que tu n'as pas parlé de la taille en fonction du type de production. Est-ce qu'effectivement on a une taille différente en fonction de si on produit des olives à huile et si on produit des olives de table? Et également l'influence de la variété sur la façon de tailler. Est-ce qu'effectivement on doit adapter sa taille à certains types de variétés? Oui, évidemment, je n'ai pas fait de différence entre l'huile de taille, o sea, de l'huile et des olives. Évidemment, il y a certaines différences, mais je n'ai pas rentré là parce que sinon, la duration de la présentation, ça peut être jusqu'à ce soir. Évidemment, la différence principale, pour ne pas étendre beaucoup de temps. La différence principale, c'est que dans les oliviers destinés à olives de table, il faut, au moment d'éclairer, hein, de cette branche qui sont à l'extérieur, qu'il faut laisser les retirer la lumière, etc., il faut éclairer un peu plus. Parce que dans les olives de table, on va favoriser la taille de chaque olive, on dit qui sont plus gros des olives et non la production totale. Donc, moins d'olives et plus grosses. Et pour avoir ça, il faut éclairer beaucoup plus pour réduire le numéro des olives et que ce numéro des olives soit plus gros. Ça, c'est en général. Aussi, une grosse différence, ça dépend de la façon de la récolte. Ici, en Espagne, il y a un très, très gros problème actuellement avec cette olive de table parce que ça se récolte à la main. En cueillette. Et ça, évidemment, c'est très, très, très cher. Et on est en train d'avoir des projets pour essayer d'adapter la récolte des olives de table au même système des vibrateurs de tronc. Le problème, c'est qu'avec les vibrateurs de tronc, ils ne tombent pas dans les filets et ça vient des petits, on appelle ça molestat. Molestat, c'est des petites taches qui après, ça font la valeur des olives de table. Donc, il y a des projets en marche maintenant pour mettre tout de suite cette olive dans des produits réfrigérants qui évitent ces taches et qui tout de suite vont à la usine pour éviter ça. Mais tous sont orientés à mécaniser, o sea, à oublier, parce que ce n'est pas rentable du tout, de prendre à la main. D'un côté, il faut faire une taille très, très détaillée et très chère pour que ça puisse se couler à la main. Et aussi, comme je dis, il faut éclairer beaucoup, donc ça donne moins de production. Si on additionne les deux choses, moins de production et une taille très, très concrète et très chère pour pouvoir faire la main, ce n'est pas rentable du tout. Donc tout se dirige à qu'il soit récolté à la machine. Et ça. La deuxième question, les variétés. Évidemment, il y a des différents des tailles, de la taille différente. Selon les variétés, par exemple, pour ne pas m'étendre beaucoup et prendre beaucoup de temps pour ça, les deux variétés principales en Espagne, Picual et Arbequina, donc ils sont une grosse différence de la croissance. Picual se caractérise parce qu'elle est une variété très verticale, très vigoureuse et verticale. C'est pour ça que Picual n'est jamais utilisée par les olives. Et l'Arbequina, c'est la principale variété, c'est très productive aussi et c'est la variété principale. Pour les solides de haies. Et là, pas de différence à la picoire, dès qu'elle est moins vigoureuse, c'est pour ça qu'elle s'utilise dans les solides de haies. Et aussi, la façon de grandir ces branches, elle n'est pas aussi verticale et vigoureuse. Ils font tomber plus. Et ça, il faut être contre au moment de la formation de l'arbre, par exemple. Et quand les 3e ou 4e années, j'ai dit qu'il faut faire les premières tailles dans la corogne, par exemple. Il faut toujours savoir que si on est en train de tailler des picois et des arbequina, il faut faire attention à que toutes les branches qui sont dans la partie inférieure, ces 3e ou 4e années, il faut les laisser. Parce que ces branches, ils ont la mission de que les branches principales
qui sont comme faibles, qui ne sont pas encore très rigides, pour qu'ils soient formés dans la bonne direction, il faut que la partie bas, il y en a qui sont en branche ces premières années, qui supportent et qui évitent qu'ils tombent les branches principales et qui perdent la ligne de croissance qu'il faut. Ça, c'est un détail, par exemple, qu'il faut appliquer toujours dans le cadre de cette variété. Donc, c'est vrai qu'il y a des circonstances différentes et spéciales dans chaque variété, mais ça va rentrer dans les détails et on pourrait être ici jusqu'à demain ou après. C'est vrai. Mais c'est intéressant de parler des différentes variétés. Oui. Il y a des questions, Daniel, sur l'intensité de taille. Alors, certains ont posé la question en disant, est-ce que c'est une bonne, un bon repère de dire qu'on ne taille pas plus de 30% de la végétation, pas plus du tiers de l'arbre? Ou est-ce que vous, vous raisonnez aussi comme ça par rapport au rapport feuille-bois? Oui, et nous on parle jamais des pourcentages de réduction des volumes par la taille. On parle pas normalement, c'est pas les numéros qu'on utilise. Ce qu'on dit toujours, c'est il faut tailler, il faut accorder, parce qu'il y a deux éléments là à considérer. La fréquence et la intensité de la taille. L'idéal, c'est tailler tous les ans avec la fréquence, avec la intensité, ce qu'il faut. Donc, tailler tous les ans, juste les branches qu'il faut. On a dit les gourmands qui sont à l'intérieur, les gourmands qui sont supérieurs. S'il y en a beaucoup de branches qui évitent la rentrée du soleil, bah, on retire juste ce qu'il faut. Ça sera des petites interventions d'un pourcentage de 10 ou 20%, si on peut parler de pourcentage, tous les ans. Ça, c'est l'idéal. Mais ça, c'est un problème, c'est que ça coûte cher parce qu'il faut tous les sorts. L'idéal, c'est coordonner la fréquence et l'intensité. Tailler un peu plus et éviter d'aller tous les sorts à tailler. On parle de soleil intensif. Hein. Les soleils mais on avait dit que c'est tous les sorts. J'ai dit toujours aux agriculteurs, mon conseil, c'est tous les sorts, après la récolte, il faut passer par la plantation. Et il faut se promener, voir certains oliviers entre les directeurs techniques de la plantation et les tailleurs qui vont travailler là-bas et décider à côté des solutions. Dire, par exemple, cette plantation, qu'est-ce qu'il faut tailler dans cet olivier, dans l'autre, une face, l'autre. Et décider et écrire la détermination de cette année-là. Ou détermination, ça peut être, on avoue 6 ou 7 oliviers, on avoue que dans chaque olivier, il faut tailler 3 ou 4 petites branches et rien du tout. Donc la décision finale, ce n'est pas tailler cette année. Ou si la décision c'est tailler, il faut définir quelle est la taille qu'il faut faire. Et on voit en situation, les oliviers, ils sont montés très haut et ils ont essayé d'aller très très haut. Donc la solution, c'est tailler. Et la description, c'est tailler les branches qui sont été au milieu, qui sont allées très haut, et monter la partie bas parce que ça descend jusqu'à par terre, par exemple. Une fois que c'est décidé et écrire, tous les gens qui vont tailler ça, ils vont avec cet instrument, cette chose qui est écrite. L'année d'après, tu répètes la même chose. Tu vas aussi avec cette décision que tu as fait l'année dernière et tu décides l'année suivante. Si tu fais un historique de chaque intervention que tu as fait ou que tu n'as pas fait chaque année, ça peut t'aider à trouver des solutions ou à expliquer des choses qui sont bien faites ou moins faites chaque année. Comprends? En total, l'idée, c'est accorder l'intensité et la fréquence pour qu'il soit plus ou moins l'actuation tous les 2 ans, à mon avis. Ok. Ensuite, on a des questions relatives, à la période de taille. Nous, en France, on a tendance à tailler en sortie d'hiver, hein, mars, etc. La question, c'est est-ce qu'il y a des pratiques différentes en Espagne? Quels sont les impacts sur la productivité du verger? Et on a même des questions de gens qui sont en biodynamie, savoir s'il y a eu des études sur la relation entre la période de taille et les phases lunaires, lune montante, lune descendante, sur la mise à fruit et la pousse des arbres. Bon, la première partie, le moment de la taille, et là, on s'est posé plein de questions aussi. Ici, ce qu'on fait, c'est que l'idéal, c'est faire la taille juste après la récolte, en plein arrêt d'hiver. L'olivier, il s'arrête en hiver, par le froid, c'est le moment de faire la taille. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes? Il y a des gens qui se sont posé les questions, ça peut être un peu ces questions-là, de que s'il fait très froid et l'olivier, il a été. Il a fait la taille avant les grosses froids.
ou c'est mieux d'arrêter, ou ça, de s'arrêter et faire la taille après que les grosses fois sont venues? Si ça condition à qui ça servit le levier plus ou moins. Ici en Andalousie, on n'a pas trop froid non plus, ce n'est pas des conditions très habituelles. Il y a dans la partie de Grenade, une partie de Grenade où il y a le soulevier, où là, le froid est spécialement fort, dans tout ce qui est en Andalousie. Et là, on avait fait des essais, on a fait évaluer une fois si les leviers qui sont été taillés avant ou après les gels, qui doivent arriver dans cette endroit-là, on n'a pas trouvé vraiment des résultats. Les seuls résultats qu'on a trouvés, et une chose qu'on a fait, c'est que l'olivier, il était abîmé beaucoup plus par les froids, non s'il était taillé avant ou après. Ce qui était abîmé ou pas abîmé par les froids, c'était s'il était avec plein production ou s'il n'a pas eu beaucoup de production cette année. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a beaucoup d'influence sur ce que l'olivier, il souffre par un gel, c'est s'il a eu beaucoup de production. Il a beaucoup de production, il a fait vieillir l'olivier. Il s'est défendu moins avec la gêne, avec le froid. Un olivier qui n'était pas chargé cette année, il était plus fort, avec des neutrons un peu plus forts, il s'est défendu beaucoup mieux par le froid qu'un olivier qui était chargé. Ça, c'est beaucoup plus influence que s'il était taillé ou pas taillé avant le froid. Une autre chose aussi, au moment de la taille, il y a beaucoup de monde qui font une question. Des fois, il y en a des grands fers et qui commencent la taille et la récolte à retarder parce qu'il y a la pluie, etc. Et ben, ils ont commencé la taille mi-février. Ils sont maintenant en mars. Maintenant, en mars, on est presque au printemps déjà ici. L'olivier, il a arrêté l'arrêté d'hiver, s'est arrêté, il commençait à se bouger. Il y a encore qui font encore la taille. La question est-ce qu'on peut continuer à tailler maintenant qu'il s'est passé déjà l'arrêt d'hiver? Ou on arrête parce que il a commencé le printemps. La réponse est toujours, s'il faut tailler, on continue à tailler, même si le printemps s'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on a la chance de que l'olivier, il est très rustique, il supporte mieux quand on coupe, il était en plein arrêt d'hiver, il cicatrise beaucoup mieux si c'est un arrêté, mais si on est en train de déjà la serre, il est déjà en train de bouger, évidemment, il cicatrise un peu moins sous le coup de la taille, mais on a la chance de qu'il est tellement rustique qui supporte tout. Et je préfère s'il faut le tailler, il faut le tailler au moment déjà qu'il a fini la taille, à la place de ne pas le tailler parce qu'on croit qu'on va aller à nouveau. Ça, c'est la partie là. Autre chose aussi, et sur les troubles biodynamiques que vous avez dit, on n'a rien étudié sur les troubles biodynamiques parce qu'on n'a pas trouvé intéressant ça. On ne sait pas s'il y a des référents, on ne croit pas qu'il y a des interférences de la Lune et des choses comme ça. On n'a pas trouvé ça intéressant pour étudier. Pour le Alors, il y a une question par rapport à la taille de rénovation. Lorsqu'on moment. renouvelle les charpentières, Oui. est-ce qu'il y a un choix précis pour commencer le renouvellement de l'arbre par un point cardinal, par le nord ou par le sud en premier, ou est-ce que c'est un choix qui est guidé par la vigueur de la branche qui est dépérissante par rapport aux autres? Qu'est-ce qui va guider l'attaque de l'arbre, le choix de la charpentière à couper en premier? Et il y en a beaucoup de monde qui pense ça, qui dit il faut mieux commencer par la branche qui est plus au nord et après par la branche qui est à l'ouest et qu'il faut ainsi comme ça. Et on a aussi étudié beaucoup autour de ça, mais finalement ce qu'on a décidé c'est que le meilleur c'est que toutes les branches commencent toujours pour la branche qui est plus abîmée. Normalement, dans les plantations qui sont, par exemple, une plantation qui est 7 par 4, normalement la branche qui va en direction de l'arbre, de l'olivier qui est voisin, qui est à 4 mètres, normalement, cette branche, il va avoir manque d'espace et de lumière plus tôt que l'autre branche qui va en direction de 7 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a un voisin qui a une branche aussi qui va lui occuper le même espace. Les deux branches qui occupent le même espace, quand il y a deux branches, des deux arbres différents qui occupent le même espace, qui sont à 4 mètres différents, qu'est-ce qu'ils font quand ils s'approchent l'un à l'autre? Et ben, ils montent plus haut pour trouver la lumière. Normalement, c'est les branches qui commencent à avoir beaucoup d'accumulation de bois parce qu'ils essayent d'aller très haut. Et normalement, c'est les branches qui se vieillissent plus tôt et c'est pour ça qu'elles commencent.
C'est mieux avoir cette considération que la considération nord-sud-est. Je crois que c'est plus intéressant. Chercher celle qui est plus abîmée, qui la relation feuille-bois est le pire, et commencer par cela. C'est ce qui est plus logique. Est-ce que tu pourrais refaire juste un rappel pour dire la différence de rendement entre une oliveraie qui est en intensif, traditionnelle chez nous, hein, et Oui. puis une oliveraie qui est en haie fruitière? Oui, bonne question, celle-là. Et il faut savoir, et c'est une chose qu'on a de plus en plus clair, que une bonne plantation d'oliviers en intensif, 8% par exemple, en pleine production, bien formée avec ses branches principales, bien guérie, et en comparaison avec une plantation adulte, 7e ou 8e année d'oliviers en haie, les productions des olives. Des olives par hectare et par an, ça doit être plus ou moins pareil. Autour de 10-12 000 kilos par hectare. C'est un erreur de penser qu'un olivier en haie, il donne beaucoup plus de production qu'un olivier en plantation d'olivier en intensif. Au niveau de production des olives, ça doit être plus ou moins équilibré. 10-12 000, si c'est dans les bonnes conditions de sol, d'irrigation, etc. 10-12 000 par hectare. La grosse différence entre les intensifs et les haies, c'est la récolte. Les coûts de récolte, c'est beaucoup moins dans les oliviers en haie, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher, c'est tout automatisé, et c'est plus cher par la vibration des troncs en olivier en intensif. Donc la différence, c'est pas les kilos de production, sinon les coûts de la récolte. Et ce qu'il faut aussi penser, c'est la partie de la taille qui vient un peu de réfléchir. Si l'avantage des moins chers de la récolte se compose par la plus chère de la taille. Dans les trucs que je vais vous montrer à la fin, on a conclu que les heures par hectare et par an de la taille des oliviers intensifs, c'était autour de 15. Et dans les oliviers en haie, c'était autour de 25. Maintenant, dans quelques années, avec l'amélioration des nouvelles variétés, peut-être que cette différence se réduit et ça finira finalement pour décliner la balance à faveur, à mon avis, à faveur des oliviers en haie. Mais au niveau de production totale, c'est plus ou moins équilibré. Après, il y a une question concernant les pratiques sanitaires après taille. Est-ce qu'effectivement, il faut faire des traitements avec des fongicides, notamment après taille, ou est-ce que ce n'est pas nécessaire et est-ce que c'est une pratique qui est faite en Espagne? Oui, très bonne question aussi. Et je n'ai pas commenté ces détails, mais c'est vrai qu'il faut commenter. Ça, là, il y a un gros avantage pour les oliviers en intensif. Parce que c'est vrai que les oliviers en ail qui sont coupés avec des disques, les disques, ils font les raisements, les toppings, les headings qui sont les disques, ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup. Et c'est recommandé que tout de suite, après faire la taille mécanique, il faut passer avec des couvertures pour éviter les fungicides ou les bactéries, on appelle ici le repilo, on appelle en espagnol le repilo, L'œil de pain. L'œil de pan. oui. Et les bractocéra, la tuberculose. C'est les deux maladies qu'il faut protéger après. Les coupes mal faites, qu'il faut les dire, parce qu'ils font des coupes, ils font beaucoup de dégâts. Et c'est vrai qu'il faut. Et ça, c'est une chose qui n'arrive pas dans les oliviers intensifs qui sont coupés à la tromponose. Donc, c'est important ça. Ça, c'est un détail qu'il faut. C'est un coup de plus dans les oliviers. Il y a eu une remarque qui a été faite sur le temps de taille et qui était une question un petit peu en même temps. C'est-à-dire qu'en Espagne, en verger intensif, cette taille qui est annuelle ou bisannuelle, elle Normalement, est c'est biannuel. Normalement, tous les on 2 ans. équilibre les fréquences et l'intensité. Il y en a qui les font annuel, mais normalement, ça les fait presque tous les 2 ans, la Donc, plupart. par rapport au nombre d'heures que tu nous as présentées, ça veut dire qu'on ne passe pas plus de 5 minutes par arbre. Oui, ça doit être un taille logique. C'est couper les branches, les grosses branches
Il faut couper, disons, et après les gourmands et autres, c'est un tailleur avec beaucoup d'expérience et tout, 3-4 minutes, 5 minutes par heure, et le suivant. On fait dans les cours de taille, on fait beaucoup de remarques de qu'il faut faire comme ça, de qu'il ne faut pas s'arrêter dans les petites branches qui sont autour, parce que ça coûte beaucoup de temps, très cher, beaucoup de temps, et ça ne répercute rien à la production finale de l'olivier. Donc, on fait beaucoup de remarques de que il faut couper les vraies branches qui accumulent de bois, 3, 4, 5, après les gourmands et autres, et tout de suite au second. Et plus de 5, 6 minutes dans chacun, il commence à être peut-être pas rentable au niveau de la production qu'on va obtenir par la taille. Ça me recommande qu'on fait beaucoup attention dans les cours de taille. Ok, je pense qu'on a fait un petit peu Il y a le... eu une autre question aussi par Oui. rapport au fait que lorsqu'on travaille le système aérien et qu'on coupe le système aérien et qu'on déséquilibre le système aérien par rapport au système racinaire, si de Oui. temps en temps, il ne faudrait pas un peu casser le chevelu racinaire pour redynamiser l'arbre. Est-ce que ce sont des pratiques qui se font en Espagne ou pas? Non, personne ne fait ça. Ça c'était planté, c'était façon de travailler. Dans les cas des oliviers, on est qui sont des problèmes, qui sont beaucoup de volume, qui sont débordés de volume. Parce qu'on a vu que si, j'ai vu des plantations des oliviers en haie qui sont autour de 400 mètres de hauteur, donc ils sont très dépassés. On fait du topping, on fait des reprises avec manuel pour réduire, et l'année d'après, on voit que c'est encore 400 mètres. C'est incontrôlable. Entonces, il s'est planté dans cette occasion de faire au milieu de la roue une opération pour casser des racines et essayer de réduire et contrôler les réactions vigoureuses de ça. Dans ces cas-là, c'est planté, il y a un certain nombre qui l'ont fait. Mais seulement dans les cas qui sont débordés de volume dans les oliviers haies. Dans les oliviers intensifs, ça, c'est pas une pratique qui s'est fait. Alors, là, c'est moi qui pose la question, mais j'ai déjà la réponse, mais c'est pour partager avec tout le Oui. monde. Comme on parle de réduction des coûts de la taille par des outils mécaniques, est-ce que ces méthodes ont déjà été testées en Espagne sur des vergers intensifs, donc traditionnels chez nous? Quel a été l'impact sur les arbres, sur la productivité, et a-t-on réussi à réduire les coûts de production? Oui. Et il y en a eu des essais, j'ai participé à plusieurs. Et les conclusions qu'on a eues, c'est qu'il y en a un qui était intéressant, qui était dans un olivier de picois de 7 par 7. Et les résultats, grosso modo, c'était que la production, c'était la même. Et après, on a commencé par le traitement qu'on avait pensé, c'était les premières années. Fait un topping, deuxième année coupé une façade, deuxième année une façade, et cinquième année, on a commencé par le topping. On a vu que c'est un erreur, parce qu'une fois qu'on a fait le topping, 2 ans après, il faut attaquer encore la partie supérieure, parce que la réaction vigoureuse était énorme. Donc, on a changé la méthode de l'essai, et on avait dit que chaque année, on va couper par la taille mécanique. Est-ce que l'olivier monte? S'il a monté trop en hauteur, on réduit la hauteur. S'il n'a pas monté trop, on ne fait pas de topping. Si latéralement, il a grandi beaucoup, on attaque latéralement, sinon non, etc. Donc, on a accordé chaque année l'attention, ça dépend à l'action. Et on l'a comparé toujours avec la taille manuelle. Et les résultats, les productions, c'était similaire. Mais pourquoi c'était similaire? Parce que la partie où on faisait la taille manuelle, il le faisait les gens de la ferme. On avoue qu'il taillait un peu trop. Il réduisait trop le volume, plus de qu'il faut. Et donc, cette réduction de volume, plus qu'il faut, ça fait que la production des deux comparatifs, c'était exactement la même. Si on mesurait la production par rapport à la surface d'olivier qu'il y avait dans les méthodes mécaniques et la méthode 1, il y avait plus de production par surface dans la production, dans la partie manuelle. O sea, c'était plus bien profiter la corogne d'une façon manuelle que d'une façon mécanique. Mais en général, c'était pareil. Et la raison, c'était parce que les gens qui le faisaient manuel, ils faisaient la taille un peu trop. C'est une des conclusions. Et la conclusion au niveau d'écoute, là, on n'a pas pu
vérifier parce que les seuils n'étaient pas assez grands pour pouvoir mesurer. Ça, c'est un problème qu'on a toujours. Pour mesurer les coûts de la taille, il faut avoir un numéro de soliviers assez grand ou de surface assez grand et on n'a pas réussi à avoir des faire qui collaborent autant. C'est pour ça que j'ai fait les études que j'ai vous montré tout à l'heure. Il fait juste des données qui m'aident en grande surface. On a bien compris qu'en Espagne, ben en France, c'est pareil. Pour qu'une taille soit efficace, il faut qu'elle soit rapide. Néanmoins, certains ont posé la question sur l'incision annulaire. Est-ce que en Espagne, on peut perdre du temps pour régénérer une partie de l'arbre à travailler? Tu comprends ce qu'est l'incision annulaire, Daniel? Oui, ça c'est au niveau de rénovation de la branche principale, c'est ça? Au Quand niveau on de veut rénovation des branches. Oui, voilà. je connais ce méthode. Ouais, et c'est une chose qu'il y a des gens qui le font. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, mais c'est vrai que pour le faire, il faut le savoir-faire. Parce que, bon, pour les gens qui ne connaissent pas cette méthode, c'est à la place de renouveler la branche d'une façon directe, on dit la branche est vieille, on la rénove et on attend qu'il sorte des nouvelles pousses et on sélectionne les nouvelles pousses pour avoir l'innovation. Les gens qui disent, bon, on fait l'incision annulaire, ça provoque l'émission des pousses sur, en bas de l'incision qu'on a fait. Et pendant 2 ou 3 ans, on profite de la production de la vieille branche qui donne des productions en même temps qu'on fait grandir les pousses qui sont faites. Ça, il y a des gens qui font ça, mais il faut savoir faire parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le sait pas très bien et qui ne donne pas assez de lumière et espace aux nouvelles branches qui sont la priorité. Et qu'il retient la vieille branche plus longtemps qu'il faut, et ça fait mal grandir les nouvelles branches. Donc, je dis, c'est une bonne méthode si on la sait faire, mais c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le sait pas, qui fait pas bien et finit par la priorité que ces nouvelles branches, ils ne le font pas comme il faut. Ok, je pose une dernière question. Il est 18h30, on s'était fixé 1h30. Oui. En ce qui concerne le bois de taille aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en Espagne? Est-ce qu'il est laissé sur la parcelle et broyé? Est-ce qu'il est valorisé autrement? Et quel est l'intérêt et le défaut des méthodes utilisées en Espagne? Il y en a qui font, qui les brûlent, tous les restes des bois. Les plus recommandés, c'est les triturer et les laisser sur la roue principale. C'est ce qui est recommandé. Il y a des machines de trituration et c'est avec les traitements des sols. Le plus recommandé, c'est qu'au milieu de la roue, triturer les restes de taille. Et aussi, avec la même machine, on coupe mécaniquement les mauvaises herbes. On tombe. En tout. Voilà. C'est ce qui est recommandé. Parce que comme ça, année tras année, on fait une couche des restes de bois qui ça donne la nutrition à la fin, parce qu'il y a l'administration à la fin, après quelques années. Ça aide à arrêter le processus d'érosion. Donc, je ne sais pas comment on dit, oui, l'érosion, la circulation de l'eau latérale, ben, ça arrête. C'est L'infiltration. une couvert, on appelle ça couvert végétal ou couvert linéaire, et c'est recommandé ça. Ça permet Il y en une a qui, bonne infiltration de l'eau voilà, et ça aide les diminuer infiltrations de l'eau. l'érosion du sol. Exactement ça. C'est ce qui est recommandé. Il y a des gens qui font brûler ça, mais ce qui est recommandé et qui petit à petit, si ça fait de plus en plus, c'est triturer et laisser sous les terres. Ok, mais merci Daniel pour ta présentation. Merci Très à tous. pédagogique, Bon. hein? Merci Oui, beaucoup, Daniel. merci. Et pour t'en parler français, je sais combien c'est difficile entre Oui. les U et les OU. Oui, il y a beaucoup de et les E et les E. Voilà. Vous êtes compliqué là, pour ça. Mais je pense que ça a permis de clarifier et d'avoir une bonne approche, une bonne méthode, voilà, pour regarder à nouveau ces oliviers. Voilà. Finalement, également, on constate que les principes de taille préconisés par l'interprofession, ils sont très similaires aux principes de taille en Espagne.
Je remercie C'est une tout le bonne monde. chose. Voilà. Je Ouais, remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Je rappelle également qu'il y a beaucoup de formations de taille qui sont organisées par l'interprofession et des partenaires, les moulins, il y a des formations et des démonstrations. Et vous trouvez toutes les coordonnées et les sites où sont réalisées ces démonstrations sur le site internet de France Olive. Voilà, merci beaucoup à tous et à merci. bientôt Merci. peut-être. À bientôt, au revoir. Au revoir Merci Daniel. Daniel. On est en contact. Au revoir. Au revoir.